Salut tout le monde! Salut, salut! Allez, on est sur le parcours historique de la Pointe-de-l'Île. C'est-tu la Pointe-de-l'Île ou la Pointe-aux-Trembles? La Pointe-aux-Trembles! Il est 10h30. On fait ça de soir, puis on le fait à l'envers. Ouais, juste pour s'aider un peu. Là, on est devant. Là, on est devant la maison Victorien Roy, qui a appartenu à l'ancien secrétaire trésorier de la ville de Pointe-aux-Trembles. Et donc, c'est la 16e endroit. Je vous montre ça. On peut voir la plaque. Comme ça. Voilà. Puis la maison, ben, on la voit pas super bien, mais on la devine. On la devine dans la pénombre. On ne peut pas voir toutes les caractéristiques, malheureusement. Malheureusement, c'est une propriété privée. Alors voilà. On continue à voir. Ouais, on va continuer ça. Yep. Deuxième halte, on est devant la maison Lacroix. Ouais. On dit une maison, Alexandre, que tu disais qu'il y avait 136 ans. Construite en 1885. Ça appartient toujours à la famille Lacroix. Et puis, semble-t-il que c'est le même architecte qui a conçu cette maison-là que le presbytère, qu'on aura peut-être la chance de voir plus tard si c'est sur notre parcours. Yes! Donc, c'est une belle maison. Ben oui, elle est belle. Bien conservée. Pour son âge. Je ne sais pas si on la voit bien, sinon ben, je vais avoir d'autres images à vous coller dessus. Malte, on est à la maison Éphrem Robert. Ah oui, on va lire ce qui est marqué. Ouais. On parle du toit, de l'architecture. Ça a été érigé à la demande de ses ancêtres, propriétaires de la maison depuis toujours. La famille Robert se veut l'une des plus anciennes familles de Pointe-aux-Trembles. La famille Lacroix aussi, celui qu'on a vu juste avant. On dit qu'en 1985, la maison Éphrem Robert fut l'objet d'importants travaux de rénovation destinés à lui redonner son cachet d'antan. Je sais pas si on la voit, mais ça a l'air de ça. Bonne histoire. Elle n'allait pas déranger trop les gens non plus, hein? C'est cool qu'on vous présente ça de nuit, parce que probablement que si vous décidez de faire la visite, vous allez la faire de jour. Fait que vous verrez pas c'est quoi ça a l'air de nuit. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'où l'importance de notre périple. Là. Vous allez sûrement vouloir le faire dans l'ordre et de jour, et nous, on vous fait ça dans le désordre et de soir. Plein de logique. Ouais. Plein de logique. À la maison Jean Versailles. Qu'est-ce qu'on dit? Ça a été construite vers les années 1900 sur la terre de Joseph Lamarche. C'est une inspiration Queen Anne. Queen Anne. Oui, parce qu'il y a une tourelle, un pavillon. La reine Anne. Ouais. Voilà, à l'origine, entrée en forme de fer à cheval permettait d'accéder à la propriété. Il y aurait une fontaine sur le parterre. Est-ce qu'on voit une fontaine? Ah, ben une petite. Oui, il y en a une avec une statuette blanche bas, là, à terre. Qu'est-ce qu'on dit de la fontaine? La fontaine située sur le parterre devant la résidence, ajoutée au faste des lieux. En 1909, Jean Versailles, déjà grand promoteur immobilier, acquiert cette terre et cette maison. Puis son frère Joseph fondera en 1910 la ville de Montréal-Est. Hey! Ah, ben oui! Joseph Versailles, il y a une rue qui s'appelle comme ça. Ah, c'est vrai. C'est juste une rue des raffineries. Oui. En 1885, un incendie endommagea cette maison. Et fort heureusement, les travaux ont été complétés depuis. Et c'est une Moses de grosse maison. C'est charmant comme tout. Ouais. Voilà qu'est-ce que ça a de l'air. La maison du Breuil. Ouais, penchez un peu ici. Comme ça. Yes. Hey. Donc, c'est une des premières maisons qui a été construite après l'ouverture de la rue Notre-Dame en 1841. Le contrat le plus ancien faisant état du site sur lequel repose la maison du Breuil remonte à l'an 1857. Le menuisier Isidore Larose s'engageait à construire une grange sur le site. Isidore, ah ben écoutez, c'est pour ça qu'on voit pas, la maison est complètement dans le fond du terrain, on la voit pas. C'est parce que le chemin devait être plus reculé peut-être. Ouais, le chemin, il faut prendre le chemin puis aller. Malheureusement, on pourra pas avec nos flashlights. Non, on verra pas la maison, mais elle est là, mais c'est dommage parce que. Puis elle a l'air rénovée aussi de ce qu'on voit là. Ouais. Ça a l'air rénové. On peut peut-être juste passer devant, puis malheureusement, ils sont loin, ils sont tous sur le bord. Hein? Ouais, on voit un petit peu là-bas. Vraiment long. Ouais, caché par plein de trucs. Donc, malheureusement, il va falloir venir le jour. Ouais. Même encore le jour, ça se peut qu'on la voit pas. Parce qu'il y a. Il y a beaucoup de feuillage, hein? Il y a du feuillage, il y a des haies, puis il y a plein de véhicules, des voisins. Voilà, malheureusement. On continue. On est devant le point 11 qu'on voit sur L'Oriot. Le toit, il est particulier. Là. On le voit ici sur l'image. Là. Il y a comme une descente pour la neige. Ici, c'est bien intéressant. Ça
Ça dit, ah quoi, mon histoire débute au début du 20e siècle, comme on fait foi le journal daté du 8 août 1905. Découvert lors des travaux de rénovation. Ah, ça c'est intéressant. Bon, une maison pittoresque, on parle des caractéristiques de la maison. Au fil des ans, j'ai évolué au gré des besoins de mes principaux occupants. En 1912, Joseph Morin, marchand de piano, bienveillante envers sa cécité, j'abandonne l'éclairage au gaz pour lui offrir de l'avantage d'électricité. Wow. Oscar Benoît, marchand. Lui, là, il y a une rue Oscar Benoît à Pointeau, puis c'était un marchand, ouais, c'est ça. Je pense qu'on en a déjà parlé dans l'émission. Je m'en souviens pas. Homme d'action, oui, il préside la commission scolaire de la Pointe-aux-Trembles ainsi que l'association des marchands. L'ancienne commission scolaire. Ouais. Fait que lui, là, en fait, oui. Oscar Benoît, il a été déjà dans une société secrète qu'on a vue. Ah, ouais. Laquelle, je m'en souviens? La patente. La patente, hein, c'est ça. La patente. Hey, vieille maison, t'as. Un peu lugubre, hein, Rex? Ouais. En 1944, sa veuve, Mme Odia Charbonneau, cède à Charles-Arthur Giroux. Puis, c'est ça. Voilà, prochain point. C'est le fun, elle est sur le bord de la rue, on la voit mieux. Mesdames et messieurs, Pointe-aux-Trembles, c'est aussi profiter du mobilier urbain. On est-tu bien? Hein, on est-tu bien? Check ça, hey, wow, la belle grosse structure, là. Hey, avec la petite marina. Ah non, on est tout seul. Là. C'est des chaises qui appartiennent à la ville de Montréal, RDP, Pointe-aux-Trembles. On est là, tranquillement. Un petit café. Un petit café. Puis le beau bord de l'eau. On est bien, on est bien. Bon, ben, tantôt. Oh yes, on s'amène vers un monument historique. Vous allez le reconnaître assez facilement. Il s'agit du bon vieux moulin de Pointe-aux-Trembles, le symbole de Radio Pointeau. Ouais, on y va, on y va, on y va. Moulin en pierre des champs. Oh yes. Regardez ça, c'est pas beau. On va vous donner un petit aperçu avec Alex qui va, avec les couleurs de Radio Pointeau en plus. Hein? Ben ouais. Ben ouais. Certain. Putain. L'autre fois, c'était pas beau, mais là, c'est beau cette fois-ci. Hein? Hey. L'été, la porte, tu peux aller regarder un film à l'intérieur aussi. Ah ouais, l'été, hein? Ouais. Cool. On est devant le merveilleux collège Roussin. 1914, le collège Roussin. C'est huge quand même. Alors, on arrive à la place du marché. Ici, là, au printemps 2022, il va y avoir un spectacle de laser sur le parterre. Fait qu'on va aller voir ce que ça a de l'air. Ça va être mal. Non, mais c'est déjà beau, là. Oh, c'est vrai que c'est beau, pareil. C'est bien, bien rénové. Oh, les beaux bateaux qui passent, là, juste là. Puis, les belles maisons. Oh, on a une grosse chaise ici, là. Ouais, les enfants, ils appellent ça la grosse chaise bleue. Ouais. Parce que c'est une grosse chaise bleue, évidemment. Eh oui. Ça fait plein de sens. Ah, mais c'est ici la billetterie, là, pour venir s'acheter un... Oui, intéressant. Ouais, donc on peut venir faire une croisière ici jusqu'au centre-ville. Hein, Alex? Je pense que c'est genre 4-5 piastres, là. On peut le mettre avec le... L'argent de... On peut y aller en vélo, là, puis c'est vraiment pas cher, là. Ouais. C'est ça, je pense que c'est 5$ si t'as ton vélo, puis 3,5$ si tu l'as pas, là. C'est vraiment pas cher. Ça, c'est la place du marché. Ouais, c'est beau. C'est charmant, hein? C'est charmant, comme tout. Il y a même un bol pour chier. Hein? Un bol que les... Ben oui. Hey. Mon chien Chai serait content. Bon, c'est quoi notre prochaine destination? Je là? Sais pas, je on sais pas, je ça. Sais pas. On va faire pause. Ici, on est à côté de l'église Enfant Jésus. L'église Enfant Jésus,
en pleine nuit, en pleine soirée. On est rendu à nuit, là, pas mal. Là. Ouais, là. Ouais, c'est ça. On va aller voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? L'incendie du village de Pointe-aux-Trembles en 1912. En 1912, la Pointe-aux-Trembles a connu ce qui aura été sa plus grande tragédie lorsque le 29 juin, un incendie causé par le débordement d'un chaudron de graisse animale chez Mme Lorrain ravagea le centre du village, anéantissant sur son passage 60 bâtiments et les plus vieilles résidences de l'endroit. Une seule maison visible sur la photo ci-jointe a été épargnée des flammes, soit celle sise après avoir été déménagée de la rue Bellerive au 76 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Ce n'est qu'en 1915 qu'on mit sur pied le premier service des incendies permanents. Cela n'empêcha pas le couvent des sœurs de la congrégation de Notre-Dame en 1922, ni l'église Saint-Enfant-Jésus en 1937, la plus vieille église de Montréal, d'être à leur tour la proie des flammes. À la suite de cet événement, on a dû rebâtir une bonne partie du village, dont la rue Saint-Jean-Baptiste, qui fut transformée en un large boulevard avec terre-plein central bordé d'arbres et de lampadaires. En 1961, à la demande des commerçants du village, on a démoli le terre-plein pour le transformer en un espace de stationnement. Dans sa volonté de mettre en valeur le cœur du village, notre arrondissement et la ville ont autorisé la réalisation de fouilles archéologiques de 2009 à 2014 près du couvent, du presbytère, de l'ancienne église, du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Bellerive. En 2014, on compléta la transformation de l'espace de stationnement en un espace public, la place du village. Qu'on vient de visiter. Ben, place du village. Ah, ben, c'est charmant. Puis ça, c'est l'église Enfant Jésus. Ben, on va aller voir un peu la façade. Tiens. Où ça? Ouais, c'est vrai qu'il est big, hein. Tu l'as vu, l'arbre, ouais, j'avais fait même une capsule. Ah, ça ressemblait pas mal à ça. Fait que ça doit avoir une couple d'années, ça, là, cet arbre-là. Ouais, ça doit avoir une couple d'années. Yeah. Donc, église Enfant Jésus. Attention, on vient de faire une trouvaille. Ouais, la salle des chevaliers de Colomb est dans le sous-sol de l'église. Puis on a l'impression que c'est son emplacement permanent parce que le conseil 2758 semble avoir établi sur place ses quartiers. Alors, on y est. À 2759, hein, c'est ça que j'ai dit. Ouais, 2759, celle-là. Ouais. Chevalier de Colomb. Hey, c'est du real, celle-là. Ouais, ouais. Tabarouette, malade. Moi, je veux en faire partie. T'aimerais-tu en faire partie, toi? Non. Non? Pourquoi pas? Ben, parce que c'est une affaire catholique, ça. Ouais, mais je sais pas, moi, c'est cool. Je vois, c'est un chevalier, moi. Ah oui, mais ouais, mais il y a d'autres chevaliers que ceux des chevaliers de Colomb. T'as raison. Ouh, nous sommes, Alexandre, en ce moment. Là, nous sommes devant le presbytère Saint-Enfant-Jésus, au 11 boulevard Saint-Jean-Baptiste, une des bâtisses les plus proches du bord de l'eau. Et où est ce presbytère? Il est juste là, face, ouais. Là. Puis justement, tantôt, quand on a visité la maison Lacroix, il nous disait que c'était le même architecte qui avait fait le presbytère, puis on voit que c'est le même style d'architecture. Le presbytère, aïe, ça fait longtemps. Regarde ça ici, on dit, bon, François Seguenot. Attends un peu. C'est dans une maison achetée de Jean Reynaud, dit Planchard, que fut établi en 1679 le premier presbytère de la paroisse. Cette acquisition mit un terme au fréquent déménagement du premier curé, M. François Seguenot, qui se voyait contraint d'habiter successivement chez chacun de ses paroissiens. Paroissiens. En 1684, il ouvrit une école pour garçons qu'il confia au premier maître laïc de Montréal, M. François de la Bernade, qui est maintenant une école à ce nom-là, Sieur des Prairies. Une école de Pointe-aux-Trembles porte aujourd'hui son nom. Effectivement, c'est dans le quartier. Le presbytère actuel fut inauguré le 27 mars 1881. Selon certains documents, il aurait été partiellement construit au moyen de matériaux récupérés de tous les premiers presbytères. En 1917, on y ajouta une annexe. Ce bâtiment est d'influence américaine à cause de son toit mansardé et de la brique de recouvrement. Cependant, il a aussi subi l'influence régence par sa grande galerie, l'influence victorienne par les ornements de la corniche et des lucarnes, et aussi l'influence néoclassique. C'est le seul édifice patrimonial à avoir survécu aux trois grands incendies du village en 1912, en 1922 et en 1937. Ouais, en se promenant sur la rue Saint-Joseph, on a trouvé la maison Fissio. Hey, elle est vraiment dans un quartier
C'est lugubre un peu. Là. Tranquille. Ouais, ouais, étrangement tranquille. C'est la maison Ficio. Voilà. Ouais, ici, il n'y a, aucune raison qu'il y ait du trafic. Aucune. Aucune raison. Hormis nous. Maison Étienne Ficio, c'est bien ça. Cette maison est la plus vieille toujours existante du cœur du village de la Pointe-aux-Trembles. Elle aurait été construite entre 1800 et 1823 par Étienne Ficio et son fils Hippolyte, tous les deux maîtres menuisiers. Situé à la limite de la palissade des anciennes fortifications du village et de l'emplacement de la première chapelle. C'est un fantôme qu'on voit là. Ah, c'est... Hey. Je sais pas. Source Benard. Source Stephen Johnson. Elle fut épargnée par le destructeur incendie du village en 1912 qui détruisit une soixantaine de maisons et bâtiments du cœur du village. Construite à l'origine dans le style des maisons québécoises traditionnelles à toit à deux versants, elle subit une dotation précise d'une transformation de la dotation d'une toiture en mansarde d'inspiration américaine. Une petite maison du Far West. Hey, on dit, ça n'a pas rapport à Pointe-aux-Trembles, ce genre de maison-là. Ah, ça a encore moins rapport pour deux gars à minuit de se promener dans les rues puis de faire des visites. Des visites. Bon, ben on continue. Les touristes de la nuit. Les touristes de la nuit. Oh, nous sommes cottage de la Société des logements ouvriers. Petite maison. Il y a du monde qui habite là. Ouais, c'est ça. C'est les premières habitations à loyer modique de la province. Ah ben oui, c'était les Jeep de l'époque. Ben non. Il y en a d'autres aussi sur la... au sud des chemins de fer, sur la 6e. C'est les prolétaires. Ouais, c'était des logements à des loyers modiques. Cool, ok. Ok, on check l'ancienne centrale électrique. Ouais, c'est le point de Montréal-Est ou de Pointe-aux-Trembles? De Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, ah, on ouais, va ouais. voir ça. What? Ouais, on y va, on y va, on y va. Maintenant, c'est CHSLD Bourget. C'est un CHSLD maintenant. Donc, CHSLD Bourget. Centrale électrique de la Montréal Tramway à Pointe-aux-Trembles. Cet élégant édifice a été érigé par les besoins de Montréal Tramway en 1916-1917. Les plans structures signés par la société Lalancette-Beaulieu. En effet, à compter de 1914, un deuxième circuit de tramway se rendait du centre-ville jusqu'aux limites de la ville de Pointe-aux-Trembles, la 19e avenue à cette époque, en empruntant la rue Notre-Dame. Le besoin en électricité rendit impérieuse la construction d'une nouvelle usine de transformation au Power Station. Ce qui atteint de cette construction au-delà de sa taille, elle aurait dû être construite en prévision d'une expansion éventuelle du réseau. C'est le choix de matériaux et la recherche esthétique dans l'exécution. Une brique de qualité et des corniches et appliquées de pierre sont toujours en excellent état de conservation près de 90 ans après sa construction, à une époque correspondant à une période d'intense expérimentation chez les architectes québécois de 1900 à 1930. L'édifice rappelle certaines banques de l'époque avec ses grandes baies cintrées, ses pilastres monumentaux, ses chapiteaux et bas-reliefs en pierre à motif géométrique et son portail à denticules classés détaillés. Le retrait des tramways et le remplacement par des autobus à la fin des années 1936 entraînèrent l'abandon de l'usine de transformation d'électricité, sans en affecter l'enveloppe extérieure, sauf le murage des grandes baies. L'édifice fut transformé en cinéma au rez-de-chaussée et en salle de quai à l'étage. Oh. Le théâtre et la salle Bellevue firent les belles soirées des Pointeliers jusque au début des années 60, quand le tout fut transformé en hôpital de soins de longue durée. Le perçage des fenêtres et l'érection du puits d'ascenseur sur le flanc ouest, de même que la transformation de l'entrée, date de cette époque. Oh. Ben oui. L'entrée était beaucoup plus belle avant. Ah ouais, puis déjà un cinéma. Alors, malgré la fin de la soirée, il est pas loin, il est 1h du matin passé. On fait encore des découvertes. On a découvert cette petite maison-là qu'on a trouvée étrange en passant sur Notre-Dame. La maison Bénard. Mais t'es pas sur le chemin comme tel. Je sais pas pourquoi. Il y a quelques endroits qui n'étaient pas sur la route. On dit que ça a été construit en 1890. Ça, ici, c'était. On était sur la 19e avenue auparavant, à ce point-ci. Non, la maison était sur la 19e avenue, puis elle a été déménagée, c'est-à-dire. D'influence américaine, ce bâtiment possède un toit brisé à deux versants. Son perron galerie est couvert par un toit prolongé et délicat. Se retrouve sur la seule pente forte du brisis. C'est détaillé. Entièrement restauré par Joseph Bénard, qui s'en porte à cœur en 1974, cette maison constitue un bel exemple d'édifice à toit mansardé. Le toit à la mansarde
En des particuliers devraient ceci, plus d'espace habitable à une maison qu'un pignon traditionnel de même hauteur. Tombé en désuétude du fait du risque d'incendie qui présentait ce genre de charpente, ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que ce type d'architecture connut un regain de popularité. Ah ben. Et voilà. Petite maison. Et voilà. Hey, regarde-moi de ça, regardez-moi ça, cette belle lune-là, presque pleine lune. Alex,